L'ensemble des nombres antinaturels cache beaucoup de secrets. Par exemple, savais-tu que l'on pouvait dénombrer ses parties finies ? Salut, aujourd'hui je vais t'expliquer comment dénombrer les parties finies de l'ensemble des nombres entiers naturels. On va noter ici grand M l'ensemble des ensembles A inclus dans N, donc dans l'ensemble des entiers naturels, tel que le cardinal de grand A appartient à l'ensemble des entiers naturels. Alors ça veut dire quoi ? Eh bien c'est tout simplement l'ensemble des ensembles qui sont inclus dans grand N et dont le cardinal est un entier naturel, c'est-à-dire en fait qui sont finis. Et oui, si A était infini, eh bien son cardinal serait infini et donc son cardinal n'appartiendrait pas ici à l'ensemble des entiers naturels. Ce que j'ai écrit ensuite ici, eh bien c'est en fait que notre ensemble grand M, il est inclus dans P de N sans lui être égal. Alors pourquoi ? Et puis ça veut dire quoi ? Eh bien tout simplement P de N, c'est l'ensemble des parties ici de grand N. Et l'ensemble des parties de grand N, eh bien, on peut le noter en fait comme ça, c'est l'ensemble des A ici inclus dans grand N. Et c'est tout, en fait, il n'y a pas de condition supplémentaire sur A. Donc évidemment, quand on rajoute une condition ici sur notre A, eh bien, c'est évident que cet ensemble-ci va être inclus dans celui-là. Et pourquoi je me suis permis de dire que ce n'était pas égal ? Eh bien, tout simplement parce qu'ici, on a des parties infinies. Bah oui, hein. Si je prends, eh bien, par exemple, grand N lui-même, hein. Grand N, c'est bien une partie de grand N puisqu'il est inclus dans lui-même. Pourtant grand N, l'ensemble des nombres antinaturels, il est infini, hein, son cardinal n'est pas fini. Donc ici on a bien trouvé un contre-exemple qui prouve bien ici que ces deux ensembles-là ne sont pas égaux. Et donc je le répète, l'objectif de cette vidéo, ça va être de dénombrer ici cet ensemble, c'est-à-dire de trouver un algorithme ou de trouver un moyen de ranger finalement tous les éléments de grand M sans en oublier un seul et sans en compter plusieurs fois. Alors là, l'idée ici, ça va être de trouver un algorithme pour ranger ici les éléments de grand M dans un tableau, par exemple. On pourrait essayer de trouver une fonction qui permet de le faire. C'est en général ce qu'on fait en mathématiques quand on veut montrer que deux ensembles ont le même cardinal. Eh bien, on essaie de trouver une bijection entre ces deux ensembles, c'est-à-dire une fonction qui est bijective, donc à la fois injective et surjective. Mais ici, c'est pas le cas. On pourrait essayer de trouver une fonction, mais c'est bien trop compliqué. Ici, en fait, on va garder cette idée ici de faire un algorithme qui va ranger au fur et à mesure, petit à petit, chaque élément dans un tableau. Et le but, c'est que cet algorithme range tous les éléments de grand M un par un, sans en oublier et sans en compter certains plusieurs fois. Parce que si jamais on en oublie, ça voudra dire que la fonction, donc l'algorithme, ne sera pas surjectif. Et si jamais on en compte certains plusieurs fois, eh bien, cette fois-ci, l'algorithme ne sera pas injectif. Donc, comment on va procéder ici ? Alors déjà, il ne faut pas oublier ici qu'on est bien dans des ensembles finis, d'accord ? On va ranger uniquement des ensembles finis. Et quand on a affaire à des ensembles finis, ce qui est bien avec ces ensembles-là, c'est qu'on peut compter leur nombre d'éléments. Bah oui, hein, leur nombre d'éléments est fini, donc on peut parfaitement les compter. Bon, certains grands ensembles avec des milliards et des milliards d'éléments, ça va prendre pas mal de temps pour les compter, mais théoriquement, mathématiquement, scientifiquement, c'est possible. Donc on va évidemment utiliser cette propriété-là, cette propriété de pouvoir compter les éléments pour ranger nos ensembles dans un certain ordre. Bien, pour notre algorithme, on va commencer ici par initialiser une variable qu'on va appeler n, d'accord ? Et on va l'initialiser à 0. Alors, tu vas comprendre plus tard pourquoi, mais en tout cas, on va utiliser cette variable ici pour sélectionner les ensembles qui nous intéressent. Donc, on initialise ici n à 0. Voilà, je vais écrire l'algorithme en langage naturel, donc on va ici mettre une petite flèche vers la gauche. Ensuite, il faut créer notre tableau, notre liste, hein, donc ça va être un tableau à une seule ligne, dans lequel on va ranger eh bien, les éléments au fur et à mesure, donc les éléments ici qui nous intéressent dans grand M. Donc pour ça, on va tout simplement écrire tab pour tableau, ok. Donc tab, et on va l'initialiser ici au tableau vide, ou à la liste vide, hein, donc on va noter ici avec des crochets. Une fois qu'on a fait ça, on va devoir entrer dans une boucle infinie. Alors pourquoi on va devoir entrer dans une boucle infinie ? Bah parce qu'en fait, on a une infinité d'ensembles à ranger ici. Bah oui, hein, grand M, on se doute bien ici qu'il est infini, puisqu'il y a une infinité d'ensembles finis, qui sont inclus dans l'ensemble des entiers naturels. Donc notre boucle infinie, eh bien on va l'écrire comme ça, donc avec un tant que, d'accord, c'est une boucle while, hein, donc tant que, eh bien on va écrire une condition qui va être toujours vraie, et la condition qui est toujours vraie, eh bien c'est tout simplement ici, true. Et maintenant, on va devoir donc sélectionner les éléments qui nous intéressent. Donc, comment on va faire ça ? Mais en fait, on va déjà initialiser un nouveau tableau, hein, qu'on va appeler donc tab2.
dans lequel eh bien, on va ranger au fur et à mesure les ensembles qui nous intéressent. Après, une fois qu'on les a bien triés dans l'ordre que l'on veut, on va ensuite les ranger dans tab. Donc ici, notre tab 2, ici, ça va être un tableau, on va dire, provisoire dans lequel on va simplement trier les éléments. Donc on va bien les trier avant de les ranger définitivement dans notre tab. Donc dans tab 2, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? Eh bien, en fait, on va devoir sélectionner ici donc, des ensembles. Et comment on va sélectionner les ensembles de manière à en avoir un nombre fini? Ben oui, on peut en sélectionner ici qu'un nombre fini à la fois. Eh bien, pour ça, on va utiliser notre n ici. Et en fait, notre n, on va l'utiliser de la manière suivante. En fait, notre n, ça va être ici la somme des éléments qui sont dans les ensembles que l'on souhaite obtenir. Je m'explique, par exemple, si on a l'ensemble, je sais pas moi, 1, 3, 4, eh bien, la somme ici de ces éléments, ça va être 1 plus 3 plus 4, c'est-à-dire 8. Et donc, le jour où n vaudra 8, eh bien, ici, on va bien sélectionner cet ensemble, c'est-à-dire l'ensemble 1, 3, 4. Et pour l'instant, n vaut 0, donc en fait, on va sélectionner eh bien, tous les ensembles dont la somme des éléments vaut 0. Et il y a combien d'ensembles dont la somme des éléments vaut 0? Ben, il n'y en a qu'un seul, hein, c'est le singleton, en fait, 0. D'accord? Ici, on est bien dans les entiers naturels, donc il n'y a qu'un seul ensemble qui, dont la somme des éléments vaut 0. Si on était dans l'ensemble des entiers relatifs, là, par contre, il y en aurait une infinité, d'accord? Oui, parce qu'on peut faire des soustractions, et à partir du moment où on peut faire des soustractions, là, c'est la catastrophe, donc on aurait une infinité d'ensembles en question. Mais là, en tout cas, ça va, il n'y a pas de problème, donc on a bien ici uniquement 0. Donc, dans tab 2, donc dans notre tableau provisoire, on va y mettre tous les ensembles dont la somme des éléments vaut n. Bon, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est bien beau de faire ça, mais il va falloir bien trier nos éléments, parce qu'ici, on ne sait pas du tout de quelle manière on va les sélectionner. Ben oui, hein, quand n vaudra, par exemple, 1, ben ici, il y a deux ensembles, hein, il y a l'ensemble 0, 1, et puis il y a le singleton 1, ici, la somme de ces éléments à chaque fois, ça vaut 1, ici, 0 plus 1, ça fait 1, et ici, 1, tout seul, la somme de lui-même, ça vaut 1. Donc, de quelle manière, en fait, on va sélectionner ici les ensembles? Ben oui, il faut bien choisir cette manière. Eh bien, cette manière ici de trier les ensembles, c'est l'ordre lexicographique. Alors, l'ordre lexicographique, c'est quoi? Alors, je vais prendre des exemples ici avec des triplés. Donc, on a A ici, on a B ici et C. Et puis, un deuxième triplé ici, donc ça va être A', B' et C'. On souhaite dire lequel de ces deux triplés est le plus grand. On souhaite ici bien donner un ordre sur ces triplés. Eh bien, l'ordre lexicographique, c'est en fait l'ordre du dictionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, on va regarder la première lettre. Hein, donc ici, c'est le premier élément. Et on va comparer les deux, c'est-à-dire on va comparer lequel des deux est le plus grand. Donc si A est strictement plus petit que A', eh bien ça y est, on aura fini de trier, c'est-à-dire que le premier triplé sera bien plus petit, strictement plus petit que le deuxième. Et le problème, c'est que si jamais A est égal à A', eh bien dans ce cas-là, hop, on décale, on regarde cette fois-ci B et B'. Et pareil, s'ils sont égaux, hop, on décale et on regarde C et C'. Alors il y a une question qui se pose, c'est si jamais on arrive finalement à un cas de blocage, c'est si jamais en fait A est égal à A', B à B' et C à C', on arrive à C à C', et après, bah, il n'y a plus d'éléments, donc on ne peut plus du tout ici les trier. Eh bien, l'avantage ici, c'est qu'on a affaire ici à un ensemble grand M, c'est-à-dire que en réalité, en fait, il ne peut pas y avoir plusieurs fois le même élément dans grand M. Donc en fait, on ne peut pas se retrouver avec le cas où on a l'ensemble ABC et l'ensemble A', B', C', où en fait, finalement, ces deux ensembles sont les mêmes, puisque, je l'ai dit, un grand M, c'est un ensemble, donc il ne peut pas y avoir plusieurs fois le même élément. Donc déjà, ce problème-là, il est résolu. Après, il y a d'autres problèmes. Le problème, c'est si jamais en fait on a un des deux ensembles qui contient moins d'éléments que le premier. Ben dans ce cas-là, on fait comme dans le dictionnaire, c'est-à-dire que si A égale A' et B égale B', après on s'en fiche du C, en fait, du moment que celui-ci est plus petit que celui-là, eh bien on va d'abord ranger le deuxième, on va ranger d'abord le plus petit, et ensuite on va mettre le plus grand. Bon, un autre problème qu'on a, c'est que en fait les ensembles ne sont pas ordonnés, c'est-à-dire qu'en fait l'ensemble A'B' et l'ensemble B'A', c'est exactement le même. Donc dans notre algorithme, il va bien falloir ici trier les ensembles dans l'ordre croissant, hein, on va transformer finalement les ensembles en des tableaux d'éléments qui sont triés dans l'ordre croissant pour pouvoir ensuite faire les comparaisons que l'on veut faire, c'est-à-dire dans l'ordre lexicographique. Bon, donc ici, on écrit bien convertir les éléments de table 2 en tableau trié par ordre croissant. Et donc enfin, on peut trier table 2 selon l'ordre lexicographique. Alors je précise, hein, là je suis bien en langage naturel pour notre algorithme, on pourrait évidemment créer des fonctions auxiliaires qui, par exemple, sélectionnent les ensembles, ici trient table 2 selon un certain ordre,
convertissent ici à chaque fois les ensembles en tableaux. On pourrait très bien faire ça à côté, mais ici c'est pas l'idée, hein. Ici l'idée c'est bien de comprendre ici l'idée de l'algorithme. C'est pourquoi je me permets ici d'écrire carrément des phrases en français. Bon, une fois qu'on a fait ça, est-ce qu'on est sûr qu'on a bien sélectionné tous les éléments que l'on voulait? Et est-ce qu'on est sûr de les avoir bien triés de manière unique? C'est ça surtout qui est important. Eh bien oui, ici c'est forcément unique. Alors pourquoi? Parce que déjà on a sélectionné ici tous les ensembles dont la somme des éléments vaut n. Donc ça déjà, cette sélection elle est unique, hein. Il ne peut pas y avoir plusieurs sélections possibles. Ensuite, il n'y a qu'une seule manière de trier chaque ensemble par ordre croissant, parce qu'on a bien affaire à des entiers naturels dans les ensembles, hein. Les trier par ordre croissant, il n'y a qu'une seule manière possible de les faire. Et trier table 2 selon l'ordre lexicographique, pareil, c'est de manière unique, parce que tu le sais bien, hein, dans un dictionnaire, c'est de manière unique, hein, que l'on peut évidemment classer les différents mots. Et surtout, ça vient du fait que dans les ensembles, il ne peut pas y avoir plusieurs fois le même élément. Donc dans grand M, il ne peut pas y avoir plusieurs fois les mêmes ensembles. Donc on est sûr que table 2 sera bien trié ici de manière unique. Et donc une fois qu'on a fait ça, on est sûr de l'unicité et qu'on est sûr également de l'existence, c'est-à-dire qu'on est sûr qu'on a affaire à une surjection, eh bien on peut sans problème ici ranger les éléments ici dans notre table. Donc pour ce faire, on utilise une concaténation, donc on va concaténer notre tableau tab avec notre nouveau tableau tab 2 qui est évidemment un tableau temporaire. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, il ne nous reste plus qu'à incrémenter notre n, c'est-à-dire passer finalement à l'étape suivante, hein. C'est-à-dire que là, on a la première étape avec n égale 0, mais l'étape suivante, ça sera de sélectionner les ensembles dont la somme des éléments vaut 1, puis ensuite la somme des éléments vaut 2, etc. Et voilà, alors est-ce qu'on a fini ici? Eh bien, il faut vérifier, hein, c'est-à-dire qu'on va faire une vérification pour voir si on a bien rangé tous nos ensembles. Alors, première étape, c'est sélectionner les ensembles dont la somme des éléments vaut 0 ici. Ah oui, à la première étape, ça sera bien 0. Alors, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a qu'un seul ensemble qui vérifie cette propriété, c'est le singleton 0. Alors déjà, quand on fait ça, on se rend compte qu'il y a peut-être un petit problème, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un ensemble ici qu'on va jamais ranger, c'est-à-dire que forcément, ici, on va mettre des ensembles qui a forcément des éléments, puisqu'on va faire ici la somme à chaque fois des éléments. Mais rappelle-toi qu'il y a bien aussi l'ensemble vide qui existe, hein, faut pas l'oublier, celui-là. Et lui, il n'a pas d'éléments, donc en fait, on ne pourra jamais ici le sélectionner puisque la somme de ces éléments vaudra jamais n. Donc en fait, il faut dès le départ en fait ranger notre ensemble vide, c'est-à-dire que ici, on va initialiser notre table non pas à la liste vide ici, mais à la liste qui contient l'ensemble vide. Bon là, déjà, on est sûr de ranger ici notre ensemble vide, donc on va pouvoir le mettre à gauche puisqu'on l'aura rangé avant. Bon, déjà un problème de résolu. Et donc, on va continuer finalement à passer à l'étape suivante, c'est-à-dire pour n égale 1. Bon, combien y a-t-il d'ensembles dont la somme des éléments vaut 1? Eh bien, il y en a deux, hein. Il y a, je l'ai dit aussi tout à l'heure, il y a le singleton 1 et puis il y a l'ensemble qui contient 0 et 1. Alors, on convertit les éléments de table 2, donc c'est-à-dire ces ensembles-là, en tableau trié par ordre croissant. Donc, on va trier eh bien chacun de ces ensembles par ordre croissant. Bon, ils étaient déjà triés, hein, la façon dont je les ai écrit. Donc hop, on réécrit ici, donc c'est plus un singleton cette fois, mais c'est une liste qui contient un seul élément, l'élément 1, et puis ici, un tableau trié, ici 0 et 1. Et donc on trie table 2 selon l'ordre lexicographique, c'est-à-dire qu'on va ranger ici ces ensembles selon l'ordre lexicographique. Alors lequel des deux ici est plus petit que l'autre? Alors on pourrait se dire c'est ce tableau-là qui est plus petit. Pourquoi? Parce qu'il contient moins d'éléments que celui-là. Eh oui, mais non, attention, on est dans l'ordre lexicographique, donc ici, ce qui compte, c'est comparer le premier élément avec le premier, puis ensuite le deuxième avec le deuxième, etc. Et ici, donc, on commence par comparer les premiers éléments, c'est-à-dire celui-ci et celui-ci, on compare 0 et 1, et 0 est plus petit que 1, strictement plus petit que 1. Donc finalement, c'est ce tableau-là qui est dans l'ordre lexicographique plus petit que celui-ci. Donc en réalité, on va d'abord ranger celui-là, et ensuite on va ranger celui-là. Et donc, c'est ce que l'on va faire. Donc c'est parti, hein, on va ranger d'abord 0, 1, donc plus sous forme de tableau, mais ici, du coup, sous forme d'ensemble. Bon, maintenant, on passe à n égale 2. Alors, quels sont tous les ensembles dont la somme des éléments vaut 2? Eh bien, on peut se persuader qu'il n'y a que ces deux ensembles-là. Bah oui, hein, si jamais un des ensembles contenait le chiffre 1, eh bien, forcément, il y aurait un deuxième élément qui serait aussi 1, sauf qu'on aurait un ensemble avec deux fois le même élément. Donc ça, c'est pas possible. Donc, on a bien ici sélectionné tous les ensembles dont la somme des éléments vaut 2. Alors, on convertit les éléments de table 2 en tableau trié par ordre croissant. Alors, on convertit déjà celui-là en tableau trié. Bon, il n'y a qu'un seul élément, donc le tri, il est vite fait. Par contre, attention ici, cet ensemble, je l'ai écrit de manière un peu bizarre parce qu'il n'est pas du tout trié. Le 2 est bien avant le 0 ici, donc on va le trier par ordre croissant. Donc ici on va avoir le contraire, on va avoir d'abord 0
et 2. Et donc, c'est plus donc des ensembles, ce sont des tableaux. Et on range ces deux tableaux selon l'ordre lexicographique. Donc, l'ordre lexicographique nous dit bien de comparer d'abord le premier élément avec le premier, c'est-à-dire comparer 0 avec 2. Et ici, c'est bien celui-ci qui l'emporte, qui est plus petit que le deuxième. Autrement dit, on va d'abord ranger celui-là, c'est-à-dire 0, 2, sous forme d'ensemble. Ça, encore une fois, je ne l'ai pas écrit dans l'algorithme de reconvertir en ensemble, mais on comprend bien l'idée. L'idée, c'est ici d'avoir un tableau d'ensemble à la fin. Donc, on range d'abord ici 0, 2, ok. Et ensuite, on va ranger ici le singleton 2. Bon, allez, l'étape 3 cette fois-ci. Tous les ensembles dont la somme des éléments vaut 3, c'est quoi ? Eh bien, on peut se persuader ici qu'il y a uniquement ces 4-là, c'est-à-dire qu'on a le singleton 3, puis 3, 0, 2, 1 et 1, 0, 2. Alors là, c'est intéressant. On va pouvoir maintenant trier ici nos ensembles sous la forme de tableau. Donc ici, le singleton 3, ça reste tout simplement ici le tableau qui contient uniquement 3. Ici, 0, 3, bah, ça va être simplement donc le tableau 0, 3. Ici, 2, 1, bah, ça va être le tableau 1, 2. Et ici, l'ensemble 1, 0, 2. Donc, on le trie par ordre croissant. Donc, on aura d'abord 0, puis 1, puis 2. Alors là, c'est intéressant. Qui l'emporte ? Eh bien, on regarde l'ordre lexicographique, c'est-à-dire on regarde le premier élément. Eh bien, ici, on en a deux. Hein, on a deux candidats. C'est celui-ci et celui-ci. Bah oui, ici, on a un 0 en premier élément. Ici, on a encore un 0 en premier élément. Donc, lequel des deux l'emporte ? Lequel des deux va être le premier ? Eh bien, l'ordre lexicographique nous dit, on décale, on regarde maintenant le deuxième élément. Donc on regarde celui-ci et celui-ci. Et bien là, c'est celui-ci qui l'emporte, parce qu'ici on a un 1 en deuxième élément, alors que là on en a un 3. Donc on range d'abord ici le 0, 1, 2. Donc je vais mettre un petit 1 à côté, je vais les écrire après. Donc en deuxième, on va ranger évidemment celui-ci. Et puis il nous reste celui-là et celui-là. Alors lequel des deux l'emporte ? Ben, l'ordre lexicographique nous dit que c'est le premier élément qu'on regarde d'abord, c'est-à-dire on compare le 1 avec le 3. Et donc celui qui l'emporte, c'est bien sûr celui-ci, donc lui on va le ranger en troisième, et puis le dernier, bah, ça va être celui-là. Bon voilà, on a fini l'étape 3, alors je vais pas aller plus loin, je pourrais faire l'étape 4, l'étape 5, l'étape 6, etc. Mais on voit bien ici ce qui se passe, hein. On voit très bien que en faisant comme ça, bah, en fait on va finir par ranger tous les ensembles, hein. On va pas en oublier, et puis on va jamais en compter un plusieurs fois. Donc ça c'est ce qu'on voulait à la base, hein. C'est trouver bien un algorithme qui est à la fois injectif et surjectif, et là c'est bien ce qu'on a ici, donc on est rassuré. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur les réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout va faire un tour dans la Médé boutique sur laquelle je vends des t-shirts comme celui-ci. Merci et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut !